Bonjour à tous. Donc, on nous a demandé de faire un exposé très court pour laisser de la place à la discussion. C'est ce que je vais essayer de faire. Et j'ai axé essentiellement, si je peux avoir la première diapositive, mon exposé, d'abord sur un rapide rappel de l'intérêt des nanotechnologies dans le domaine de la médecine, mais surtout sur le problème qu'on a aujourd'hui d'acceptabilité de ces nanotechnologies et qui, à mon avis, doit poser des questions à la communauté scientifique parce que probablement que ce problème n'a pas été bien géré. Donc je vous rappellerai d'abord très rapidement qu'est-ce qu'apportent les micro et nanotechnologies dans le domaine de la médecine. Très rapidement, la première utilité, on l'oublie toujours, c'est quand même que toute la puissance des systèmes informatiques qu'on utilise en médecine et en biologie ne serait rien si on n'avait pas des microprocesseurs gravés à l'échelle nanométrique. Bon, ça, on dira que ce n'est pas utilisé qu'en médecine, mais c'est quand même un apport considérable d'essayer d'imaginer la biologie et la médecine sans ces ordinateurs, et vous verrez que vous aurez du mal. Bon, il y a des choses qui fonctionnent aujourd'hui, les puces asymétriques, le séquençage à haut débit, fait de plus en plus appel aux micro et nanotechnologies, et il y a fort à parier que les séquenceurs de troisième génération qui nous amèneront le génome à 1 000 euros, prendront naissance dans ces domaines des nanotechnologies. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, diapositive, non, c'est moi qui appuie sur le bâton, hein, c'est que ces micro-nanotechnologies apportent des capacités de miniaturisation qui, pour les applications de gauche, celles qui sont celles de la rétine artificielle ou des systèmes implantables pour l'électrostimulation profonde ou des systèmes d'interface cerveau-machine qui vont permettre de redonner une certaine autonomie à des tétraplégiques, l'apport de ces micro-nanotechnologies, c'est la miniaturisation. Et j'insiste là-dessus parce que, contrairement à ce qu'on entend dire très souvent dans le domaine de la médecine, il n'y a pas de retombées issues de propriétés paranormales du nanomonde. L'essentiel de l'apport des nanotechnologies, c'est basé sur un concept pas très difficile à comprendre, c'est que plus c'est petit, plus on pourra en mettre dans le même volume. Et c'est ça, essentiellement, en tout cas pour tout ce qui est implantable, l'apport des nanotechnologies. Et à côté, on voit une nanoparticule, micro ou nanoparticule, pour moi c'est la même chose. Là, Elias Fatal en a parlé abondamment. Il y a énormément d'applications qui peuvent découler de l'utilisation de ces nano ou micro-objets. Je ferai remarquer d'abord que, contrairement à ce qu'on vient de dire pour les autres applications de nanotechnologie, ça n'est pas une descente vers les petites échelles, mais c'est plutôt une remontée vers les grandes échelles, puisque ces nanoparticules sont plus grosses que la plupart des médicaments ou agents d'imagerie qu'on utilisait avant. Mais la preuve, d'ailleurs, c'est que la raison en est que si on les utilise comme des vecteurs, comme des cargos, donc ils ne peuvent pas être plus petits que ce qu'ils transportent. Donc, ça déjà, ça situe une optique différente. Il y a énormément d'applications pour le diagnostic, pour l'imagerie, pour le médicament, même pour l'intervention. Je crois qu'on en aura un exemple juste après moi. Donc, c'est porteur d'un très grand nombre de promesses, mais ça fait naître aussi un certain nombre d'inquiétudes. Or, si on regarde objectivement, je parle uniquement des applications pour le domaine de la médecine et de la santé, quels sont les risques sanitaires? On peut, comme ça a été dit, tout ce qui sera médicament ou agent d'imagerie obéit à des schémas réglementaires qui sont les mêmes que pour tous les autres médicaments. Il n'y a pas de raison qu'on mette sur le marché quelque chose qui soit toxique et on attend un bénéfice par rapport au risque. Tout ce qui est système implantable ne pose pas, à mon sens, de grands problèmes éthiques. Qui peut être contre donner la vue à un aveugle et une certaine autonomie à une personne qui est tétraplégique? Et pourtant, et ce sera l'avant-dernière diapositive, aujourd'hui, non seulement ces techniques font naître des inquiétudes, mais des craintes chez un très grand nombre de concitoyens. J'ai pu participer à la première réunion qui a eu lieu à Strasbourg dans le cadre du débat national sur les nanotechnologies, et pour constater qu'effectivement, il y avait quand même un dialogue extrêmement difficile avec une partie de la salle. Alors, je suis incapable de dire ce qu'elle représente par rapport à l'opinion publique globale. Et là, quelque part, quand on nous parle de surhomme, d'eugénisme. Je connais personne qui travaille dans les nanotechnologies pour fabriquer un homme augmenté. Je connais que des gens qui veulent fabriquer des hommes réparés. Et ça, je ne pense pas que ça pose de problème éthique. Je ne parle pas des RFID, de la surveillance à laquelle on soumettrait tout le monde. Sur Internet, récemment, vous pouvez lire des messages où on vous dit ne vous faites pas vacciner. L'objectif, c'est d'injecter des puces à toute la population française pour pouvoir mieux l'appliquer. Donc, on arrive. Bon, peut-être que c'est marginal, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de débats à nos endroits. Et ma question aujourd'hui, c'est comment on en est arrivé là? Et je pense que toute la communauté scientifique, et aussi peut-être industrielle, doit se poser des questions parce que, OK, il y a un rejet global dans une partie de la population de tout ce qui est développement technologique, on l'a vu avec les OGM,
pour tout un tas de raisons qui certaines s'expliquent très bien avec le paradigme que tout ce qui est naturel est bon et que tout ce qui est artificiel est mauvais, donc ce que fabrique l'homme va être mauvais. Il y a des gens qui sont vraiment convaincus de ça. Donc ça, c'est facile de démontrer que c'est faux, mais c'est plus difficile de convaincre ceux qui en parlent. Mais je pense quand même que si dans le cas des nanotechnologies, on en est là, et si, bon, il y a encore une capacité de réagir, ce n'est pas avec la même difficulté que pour les plantes transgéniques, c'est aussi parce qu'il y a une communication scientifique qui n'a pour l'instant pas été optimale sur ce sujet. À force de dire qu'avec les nanotechnologies, d'abord à force de rhabiller nano, tout ce qui avant était moléculaire, donc souvent plus petit, il y a un over-marketing qui a été fait ces dernières années, à mon avis. À force de dire que ce nanotechnologie vient d'un nanomonde où les propriétés sont imprévisibles, où la distinction entre ce qui est vivant et pas vivant et devient floue, ce qui fondamentalement pour moi est faux, mais chaque fois que j'ai entendu des personnes proposer ça, c'était évident que dans la situation qu'il présentait, il n'y avait aucun doute dans ce qui était vivant et ce qui n'était pas vivant. À force de dire qu'on fera tout et qu'on pourra faire des choses incroyables avec les nanotechnologies, on a créé autant d'inquiétudes que d'espoir, et ça c'est l'autre aspect, qui dans certains cas seront longs à satisfaire aussi. Donc je pense, la seule question que je voulais poser aujourd'hui, c'est comment on peut encore rectifier peut-être cette communication et présenter de façon plus sereine tout ce domaine des nanotechnologies qui, encore une fois, pour ce qui est des applications dans le domaine de la biologie et de la santé, à mon avis, ne devrait pas poser de problème majeur, ni sanitaire, ni éthique, mais on pourra en discuter. Je vous remercie.